un monument historique, et ça, c'est un grand H aujourd'hui. Merci Marion. Oui, bienvenue à tous dans cette arène romaine. Chers amis, je voudrais d'abord saluer le président du département de la Vendée, Alain Leboeuf, parce que c'est grâce à lui, c'est grâce aux élus vendéens, ma chère Bérangère, Bérangère Soula, et à tous les élus qui se sont battus, que nous allons pouvoir accueillir la flamme au Puy du Fou. Vive la Vendée, vive le département de la Vendée, mon cher Alain. Alors, puisque nous avons la joie d'avoir beaucoup d'élèves dans cette arène, 5000 écoliers sont avec nous aujourd'hui, de tout le pays du Fou, des Herbiers, Mortagne, Pouzauges. Vous savez, chers écoliers, que deux Olympiques sont nés à Olympie il y a 2800 ans, c'est-à-dire 800 ans avant notre ère, au moment même où Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, écrivait ce texte fondateur pour notre civilisation. Et je voudrais vous dire qu'il n'y aurait pas eu de Gaules romaines s'il n'y avait pas eu des Romains. Et il n'y aurait pas eu des Romains s'il n'y avait pas eu des Grecs. Il y a donc un lien évident entre la reine romaine où nous nous trouvons et la Grèce antique. Voilà 2800 ans que le Puy du Fou attendait ce moment. La flamme de 2800 ans arrive enfin en 2024 au Puy du Fou. C'est une immense victoire historique, chers amis. Et puis nous avons voulu que pour cet événement, eh bien, avec Alain, ce soit la jeunesse qui soit mise à l'honneur, parce que vous savez que le Puy du Fou, c'est l'histoire de France, c'est le voyage dans le légendaire français, mais c'est aussi un regard sur la transmission à nos jeunes. Et c'est pour ça que ce sont les écoles qui composent l'immense majorité de cette arène, de ce public aujourd'hui, parce que, chers écoliers vendéens, eh bien, nous sommes fiers de vous avoir avec nous pour ce moment qui porte des valeurs communes entre ce que le Puy du Fou essaie de transmettre et ce que le sport essaie de transmettre, entre l'olympisme et le Puy du Fou, il n'y a qu'un pas. Mais la seule différence entre Pierre de Coubertin et les Vendéens, c'est que pour un Vendéen, l'important n'est pas de participer, l'important c'est de gagner. Suivre tout son parcours au sein de nos allées avec 1000 acteurs qui sont les bifolèves, mais aussi les talents du Puy du Fou, et qui sont venus pour se costumer et pour incarner les personnages qui vont accueillir la flamme. Nous allons suivre sur les écrans tout le parcours de la flamme, de telle sorte que depuis cette arène, nous soyons en communion avec cette flamme tout au long de son parcours. Et maintenant, c'est toi qui lance la tête, car dans quelques instants, la flamme fait son entrée au Puy du Fou. Merci infiniment, Nicolas, Monsieur le Président du Puy du Fou. Merci beaucoup, Marion, merci aussi. Sachez que, à l'instant où je vous parle, je suis un président de département plus que complet. J'ai souhaité, avec l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux qui sont ici, j'ai souhaité que cette flamme olympique puisse venir en Vendée, qu'elle puisse rencontrer les Vendéens. Mais il y avait un endroit, pour moi, qui était incontournable. C'était le Puy du Fou, une de nos marques de fabrique de la Vendée. Nicolas, quand on s'est rencontrés tout de suite, a dit, bien évidemment, il a fallu qu'on se batte, mais tu as été au rendez-vous. Tu as su convaincre aussi les autorités du Gojo. Tu as su dire combien, ici, au Puy du Fou, au-delà de ce que tu as rappelé de l'histoire, nous étions aussi dans le temple du bénévolat. Il est vraiment valable de souffler du bruit quand tu entends dans la même spectateur.
Thank you.
ce moment parce que moi, à jamais, bravo.